Connectez-vous en regardant Sanctuaire TV. Suivez Sanctuaire TV. Shalom, shalom. Un certain le 27 mai, c'était à Stockholm. Il y a eu une manifestation d'adoration, il y a eu une cérémonie d'une grande dimension. C'était ici en Suède, précisément à Stockholm, une organisation qui était bien préparée. C'était organisé par une sœur, une servante de Dieu. Elle a eu une vision, elle a partagé ça avec son église. C'était très bien, très bien. C'était incertain le 27 mai. Cette sœur, elle s'appelle Yget Karlsson, que nous recevons cet après-midi avec le couple évangéliste Stani Mwanza, avec sa chère épouse, Maman Joël Kaleta, évangéliste, que nous recevons cet après-midi. Shalom, sœur Yget. Shalom, papa. Tiens-moi. Merci. L'après-midi, au te recevoir, yo. Un mot pendant ce temps ici. Ça fait un bon moment où nous les soutenons à Sanctuaire TV. Le Seigneur t'avait imposé un silence ou bien c'était comment? Shalom, papa. Shalom, vraiment. Je peux commencer à dire d'abord merci, papa Tinyama, et merci à la télévision Sanctuaire TV de nous avoir invités en séjour. En tout cas, papa Tinyama, je suis dans la joie d'ailleurs de me retrouver ici. Okay. Donc, ça, nous avons imposé que nous avons fait d'été, mais ça, par rapport à ma tante, kaka. Par rapport à ta tante. Parce que bon, merci beaucoup. À ma gauche, à votre droite, j'ai l'honneur de recevoir une dame que j'aime beaucoup, une servante de Dieu. Elle parle bien, elle a une vision, elle est stable, elle parle bien. Elle s'appelle évangéliste Joël Kaleta Mwanza. Shalom, maman. Shalom, papa Dominique. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Ça fait un bon moment. On avait fait une émission, on a parlé sur la prière. C'était vraiment bénéfique. Il y avait des gens qui étaient bénis par rapport à cette émission. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont même demandé, mais quand est-ce que maman Joël reviendra encore sur Sanctuaire TV? Ou bien vous étiez en retraite, ou bien le Seigneur vous avait imposé un silence spirituel, ou bien comment? Que Dieu soit loué. Je bénis tout un chacun de nous qui est en train de nous suivre pendant ces moments. Merci d'être connecté, la famille. Je dis shalom chez vous, que la paix du Seigneur soit notre partage à nous tous. Merci d'être connecté. Merci pour Sanctuaire TV. Merci pour l'invitation, papa Vidinique. Le Seigneur ne nous a pas imposé un silence. En tant qu'un enfant de Dieu, j'aimerais dire, c'est Dieu qui planifie tout. Amen. Nous pouvons planifier en tant qu'homme, en tant qu'humain, mais quand Dieu ne nous donne pas la possibilité, on ne peut rien faire. Parce que Dieu l'a voulu aujourd'hui, et Sanctuaire TV aussi l'a voulu, raison pour laquelle nous sommes là. Je vous avais dit, elle parle bien, elle a l'art de parler. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous recevons l'évangéliste Stani Mwanza. C'est un homme de Dieu qui parle calme, doux, mais précis. C'est que j'aime en lui, il parle calme, doux et précis. Alors, précis, je l'appelle l'homme du temps. Quand il nous parle sur le temps, sur l'heure et le jour de la venue de Jésus-Christ, vous sentez vraiment l'exactitude de la parole du Seigneur. C'est un homme qui parle très bien. Évangéliste Stani, shalom. Shalom, pasteur Nick. C'est une grande joie vraiment de me retrouver encore ici dans votre plateau. Je suis vraiment, vraiment dans la joie. Dieu vous bénisse abondamment. Mais ça fait un bon moment. C'est pas aussi un silence voulu par le Seigneur ou bien beaucoup d'occupation? Pas du tout. La volonté de Dieu que nous les servons, en fait, partout où il nous envoie et à son temps. Surtout le temps. Surtout le temps. J'aime ça. Alors Dieu a voulu que nous soyons là aujourd'hui et nous donnons gloire à Dieu. Nous glorifions le Seigneur.
Merci, l'évangéliste Stani. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser des questions. Pourquoi l'évangéliste Stani avec maman Joël, ils sont là avec la sœur Huguette. La sœur Huguette avait une vision pour organiser cette manifestation. On l'avait appelée Gala. Soirée de Gala. Elle avait partagé cette vision au couple pastoral, au couple évangéliste Stani et maman Joël. Et ils ont apporté cette vision. Donc quand ils ont apporté cette vision, et puis la vision se répandit sur tous les assemblées, toutes les assemblées ici à Stockholm, et puis c'était une réussite totale. Vraiment une réussite totale, j'étais là, une réussite totale. Pour la toute première fois, on s'est réunis dans une salle, on était bien habillés, comme nous sommes dans un mariage, bien habillés, on mange, on boit, les gens chantent, on mange, on boit, les gens chantent. Donc c'était comme, franchement, c'était pour la toute première fois. Donc j'attendais que donc les mariés puissent entrer, mais il n'y avait pas les mariés. Donc c'était seulement Jésus-Christ qui était élevé. C'était Jésus-Christ qui était élevé, donc c'était vraiment quelque chose de bien. Mais soyez connectés, veuillez partager notre mission. Nous encourageons nos bien-aimés qui sont déjà là. Maman Rebecca Bukasa, soyez bénis. Nous encourageons tous ceux qui sont là. Nous bénissons Oriane Carlson, que tu sois béni. Papa, restez là pour suivre maman, elle est là. Nadine Lutambo, soyez bénie. Partagez notre mission. VisTV, soyez béni aussi. Maman Sabine, soyez béni. Peter Ona, soyez béni. Partagez l'émission, nous serons réellement bénis. Parce que dans notre plateau, on a trois personnes exceptionnelles. Des exceptionnelles personnes. Donc vraiment, on a une adoratrice. Il y a Tala Moro Adikolo. Il y a Karib Moro, très élevé à la Stockholm. C'est une adoratrice, on doit contester en gros. Donc, de l'autre côté, les couples évangélistes qui parlent très bien, très bien. Maman Huguette, on commence par vous. Vision Gala. Comment est-ce que tu avais réussi cette vision? Tout le monde a une chose à moi, beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comment est-ce qu'il y a aujourd'hui vision à la Gala? Ou l'autre qui est en train de se faire vision en haut. Ou bien on a battu au bétail solo et vision on va mourir aux yeux à mon bino là les sangwa na Stockholm ou bien ça y est ni tout là là qui au moni vision tout ça c'était en fait quoi aujourd'hui on est. Merci beaucoup papa. En tout cas donc personne m'a vendu la vision. Ok. Donc mais c'est Dieu qui m'a donné ça. Ok. En tout cas donc je l'ai reçu, je crois que c'était en 2020. Je faisais d'ailleurs un live, c'est un live là que papa, vous vous souvenez de la live là qu'on a fait? Oui. En faisant le live, on était en train d'adorer et prier. Et soudain, je vis que j'étais au milieu des gens et beaucoup de gens étaient là entourés. J'étais entourée de beaucoup de gens, beaucoup des adorateurs, beaucoup des serviteurs de Dieu. Et j'ai vu ça comme ça et puis j'ai dit non, peut-être ce sont des imagination comme ça. Et en 2021, j'ai rêvé encore même chose. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui pense ou quoi? Donc, je suis entrée dans la prière et demandé à Dieu qu'est-ce que Dieu voulait me montrer. Je crois que j'ai parlé avec papa cette année. Si papa, vous vous souvenez, j'ai parlé avec papa cette année. Je lui ai raconté comment est-ce que je vis les songes deux fois et même chose. Même chose, voilà. Ouais. Et puis, là, je dis non, c'est Dieu veut me parler, Dieu veut me dire quelque chose, mais le Saint-Esprit puisse m'aider et me faire comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Donc, je suis entrée dans la prière, en tout cas dans les secrets moi-même, j'ai prié, et puis il y avait des corona, il y avait des choses, donc c'est passé comme ça, tu vois. Mais après, j'ai vu ça encore, en 2022. J'ai dit non, ça c'est pas, non. Ça, c'est une autre chose. Subitement, j'ai dit non, je dois faire quelque chose, rassembler les gens. Je suis encore entrée dans la prière. J'ai fait le jeûne de 3 jours moi-même, sans dire à quelqu'un. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de faire des réunions les gens. Mais je ne savais pas comment je vais le faire. Voilà. Donc, je me suis dit, mais comment je vais le faire? Et
J'ai dit, ah, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi. Je suis encore en train de la prière. Vous savez, parfois on attend que Dieu descende et te dise, maintenant, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. J'ai dit, non, je dois faire quelque chose. Mais j'ai dit, Dieu, toi, tu es celui qui donne la vision et la provision. Voilà. Mais le Saint-Esprit, aide-moi, éclaircis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que moi-même, je vois, c'est comme si un peu des nuages, là, je ne comprenais pas. Donc. Mais après, j'ai vu vraiment clairement qu'il fallait que je fasse cette journée-là. Donc, que je fasse cet événement. Donc, alors, je dis non, je dois aller parler à mon papa, à mon pasteur qui est papa Stanley. Si les gens voient, je suis toujours là avec lui. Alors, c'est mon papa, donc je l'aime beaucoup. Et je suis venue à la maison, j'ai parlé à papa. Nous sommes entrés dans la prière. Et papa a dit, ok, donc si c'est comme ça, on doit, on va commencer à faire l'organisation. Oui, voilà. Et le Saint-Esprit nous a vraiment conduit dans le chemin qu'il voulait. Et on a organisé cette journée. On peut entrer dans les détails après. C'est... Vraiment, c'était une réussite. Il y a beaucoup de gens qui aiment, qui disent, mais là, il y a un frère, Abdel Christo, il a dit que non, la première édition, c'était une réussite. Vraiment, moi, je ne suis pas des genres de flatteurs. J'étais là, j'ai observé. Vraiment, c'était une réussite. C'était une réussite. Je répète encore, pour la toute première fois ici en Suède, Batubalati ba veste, Batubalati ki toko. On était assis, tofandi tozolia, tofandi tozolia, mais toujours pas batbazo yema. On était comme dans un mariage, mais dans un mariage. Quand on a terminé un banabi, je me sentais comme toujours dans la gâte à Majabu Suède. Majabu Stockholm. Donc, c'était en fait ça. Papa Stani, j'ai écouté maman, Iguette, elle est en train de parler. Donc, quand elle a eu la vision, elle est venue vous parler. Premièrement, d'abord, quand maman Iguette est venue vous parler de cette vision, comment est-ce que vous avez reçu cette vision? Parce que la plupart des pasteurs, c'est difficile d'accepter une vision venant d'un mundimi. Vraiment. Parce que le pasteur, c'est eux qui voient les visions, c'est eux qui voient les prophéties, c'est eux qui voient tout. Ça vient chez les pasteurs et puis ça distribue chez Bandini. Quand maman Iguette, elle est venue vous parler, votre réaction, ta première réaction, c'était comment? Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, je bénis le Seigneur d'abord pour cette vision. Dieu fait des choses extraordinaires. Et que nous, en tant que des serviteurs de Dieu, devons être très, très éveillés avec les gens qui nous entourent. Quand Dieu vous donne une vision, par exemple comme la vision que j'ai reçue, il faut savoir que dans une grande vision doivent naître d'autres visions. Ce qui peut faire de votre vision une grande vision, c'est lorsque d'autres visions naissent dedans. Recommencez encore, c'est ce qui vous a dit. C'est profond là, j'ai pas bien capté. Recommencez encore. Hein? Dans une grande vision, ils doivent naître de visions. Cette année. Avancez. Moi, personnellement, d'abord. Avec ma maman Gette, c'est ma fille. Donc, je suis préparé pour tous mes enfants qui sont autour de moi. Donc, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de découvrir ce qui se trouve, les choses que Dieu a mis dans ses enfants autour de lui. Moi, le Seigneur m'a déjà averti parce que le Seigneur me dit, quand je pleure, le Seigneur me dit, toi, je t'ai déjà béni. Je t'ai déjà béni. Mais Seigneur, comment? Il dit, j'ai mis des gens autour de toi. Amen. Ma bénédiction, c'est les bénédictions que Dieu m'a envoyées autour. Donc, toutes ces personnes sont des richesses. Alors, dans l'œuvre de Dieu, il faut comprendre que même si vous êtes visionnaire d'une vision, toutes les révélations pour aller loin ne viendront pas toujours de vous. Donc, il faut avoir ces capacités de comprendre les visions qui viennent, qui naissent, et pour soutenir et élever ces visions-là. Tu vois, il y a un problème où, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de ministères, ils étouffent la vision des autres. Alors, si tu veux être grand,
il faut élever les autres, il faut soutenir les visions des autres. Et ça, c'est merveilleux. Tu sais, quand vous diminuez une personne, on ne peut pas vous voir aussi. Mais lorsque vous élevez quelqu'un, c'est alors qu'on vous voit. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, moi, quand la servante de l'Éternel est venue, c'est ma fille, mais c'est une servante de l'Éternel à l'église. Elle prêche, elle conduit les prières et tout. C'est une servante de Dieu tout fait. Alors, quand elle est venue, je connais mes enfants. C'est quelqu'un, Dieu leur a parlé. Je sais que celle-là, ça vient de Dieu. Il y a des gens qui inventent des choses, mais quand Dieu parle, il devait avoir aussi les capacités de comprendre celle-là. Dieu a parlé. Alors, quand elle est venue, j'étais déjà averti dans le sens que quand Dieu m'a appelé, il m'a dit qu'il accomplirait beaucoup de choses. On va évangéliser par des campagnes d'évangélisation, par des concerts, par des soirées comme celle-là. Moi, je ne sais pas chanter. Mais Dieu envoie des gens pour mûrir ton ministère. Et quand ces gens-là viennent, il faut avoir les capacités de les découvrir et soutenir ces visions-là. Alors, quand la vision est venue, j'ai compris qu'elle venait déjà de Dieu parce qu'elle rencontrait déjà la base qui était chez moi. Alors là, ça ne plus sa vision, ça devient notre vision et on doit soutenir. Et dans VM, dans notre appel, quand Dieu appelle quelqu'un, lui donne quelque chose, on la pousse devant et tout le monde en soutient. On vient élever cette personne-là et pour la gloire de Dieu. Voilà, ce jour-là, j'avais vu vraiment toute l'église VM était mobilisée, des protocoles, je dis, du genre, vraiment, on a senti l'apport de l'église VM. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et Maman Joël, quand vous avez aussi entendu cette vision, parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont tout près des hommes de Dieu. Ils étouffent aussi certaines visions qui viennent de l'autre côté. Alors, ils peuvent dire, ah non, comment est-ce qu'une vision là peut venir chez Maman Huguette et tout ça. Il y a beaucoup de femmes de Dieu, elles essayent d'étouffer aussi cette vision. Comment est-ce que vous avez reçu cette vision? Comment est-ce que vous avez digéré la vision de la servante de Dieu, Sœur Huguette, à côté de l'homme de Dieu, l'évangéliste Stan? Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Je vais juste compléter par rapport à ce que Papa Stanley vient de dire. Réellement, quand Dieu appelle son serviteur, il lui donne la grande vision. Mais toute vision similaire qui naît à côté, quand le Seigneur donne le passage, nous sommes là pour soutenir. Amen. C'est très important de comprendre d'abord, en tant qu'une servante de Dieu aussi dans l'Église, que quand Dieu parle, ça peut passer par Maman Huguette, mais cela concerne la vision évangélique mondiale. Amen. Cela concerne toute la grande famille qui est VM. Amen. Alors de mon côté, c'était aussi facile pour moi d'accepter la vision. Parce que je porte en moi aussi la marque de VM. Je porte en moi aussi la vision que notre père, Papa Stanley, nous a communiquée. Ici, je parle de deux rôles. Hein. Je parle du pasteur et du mari. Voilà, je mélange, vous allez comprendre. Mélange, vous êtes libre, maman, mélangez. Oui, donc, en tant que fille de la maison aussi, quand la vision a été présentée devant l'église, et j'ai senti que cette affaire me concerne. Parce que réellement, Dieu nous avait parlé plusieurs fois, quand nous étions dans des prières, qu'il va élever sa servante, Maman Huguette. Mais on ne savait aussi pas comment, par quel moyen le Seigneur le fera. Je me souviens même la dernière retraite, que nous étions ensemble avec l'église. Papa priait sur lui. Il a déclaré, il a dit, ma fille, je vois Dieu en train de t'élever dans cette nation. Et ça sera pour bientôt. C'était la dernière retraite que nous avions fait avant le corona. Et voir que le Seigneur lui a parlé pour de grandes visions, en tout cas, je ne peux pas reculer. Je vais accompagner cela parce que cela est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, cela est la volonté de Dieu. Veuillez partager ces bons moments de partage que nous sommes en train de passer ici avec la servante de Dieu, Huguette Carlson. J'aime dire ça, Carlson. Huguette Carlson et Maman Joël Kaleta Mwanza et sans oublier évangéliste Mwanza Noïa Papa Gilles. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Maman Huguette, quelles ont été les premières difficultés? Vous êtes libre, tu peux frangaler. Quelles ont été les premières difficultés quand vous avez commencé à organiser
cette manifestation spéciale gala. Quelles ont été les premières difficultés? Parce que tout n'était pas aussi rose, hein? Non. Hein? Tout n'était pas aussi. Ça n'a pas roulé comme à la houlette. Donc, quelles sont les premières difficultés que vous avez vécues? Merci beaucoup, Papa Tinyama. Ce que je peux dire, que il y avait vraiment. Il y avait des difficultés. Tout d'abord, moi-même, j'avais peur. Ok. J'avais peur. Et je me disais, malgré que je suis venue chez mon papa, on a parlé, mais j'avais peur à moi. Je dis, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais commencer à réunir les musiciens? Vous savez, ici, en Suède, ce n'est pas si facile de réunir les musiciens. Donc, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Donne-moi vraiment que Dieu touche les gens, les musiciens que je vais parler avec pour réaliser cette vision. En tout cas, c'était pas facile pour moi, je le dis vraiment, c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, et j'ai essayé de parler avec, avec ceux-là qu'on a travaillé, je peux dire avec Frère Junior, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, et Papa Frère Béli, en tout cas, et les autres, Maman Nadine, Maman Abigail, et j'ai parlé avec d'autres gens aussi, et c'était... Donc, en tout cas, ils ont accepté ça facilement. Okay. Tout ça, je crois en moi, c'est la grâce du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait que ça se passe comme ça. Okay. Mais selon la vision, comme moi, vous savez, Dieu a donné la vision. Et puis, il fallait maintenant que le Saint-Esprit nous donne aussi comment faire les techniques, les tactiques, comment est-ce qu'on peut organiser cette journée. Et pour moi, je planifiais. Je voulais vraiment que tout le monde, tous les musiciens, les chanteurs, les adorateurs de Suède, qu'on chante un chœur. Mais ce n'était pas facile. Pour réunir tout le monde. Pour réunir tout le monde. Donc, ce n'était pas du tout facile. Alors, mais on a fait comme c'était. Alors, donc, c'était bien passé. Donc, vous n'avez pas vécu de difficultés. C'était. Donc, tout c'était comme ça. Bon, en tout cas, je ne peux pas mentir. Si j'ai dit une grande difficulté que j'avais, c'est à côté de la musique. Okay. À côté de la musique. Et pour l'organisation, pour d'autres choses, en tout cas, l'église a pris charge. En tout cas, tout le monde a mis la main dans la pâte. Et on a essayé. Bien sûr, il y avait peut-être des petites difficultés, mais ce n'était pas des difficultés qu'on peut pleurer ou dire que oh, ça ne va pas marcher. Et si on se trouve là, il y a une difficulté, on résout directement. Donc, c'était, oui, voilà. Papa Stanley, quelle a été la porte de l'église dans cette manifestation, dans cette gala? C'était seulement de comprendre la vision et puis directement vous êtes venu là parce que je vous ai dit, vous étiez fou en moulin. Vous étiez comme un protocole, vous étiez comme un. Donc vous étiez là, vous recevez des gens, tout ça, vous étiez vraiment fou en moulin. Je vous ai mis dehors, je vous ai mis à l'intérieur, vous étiez comme un protocole. Donc, il y avait quelqu'un, poste qui vous manquait, commencez à chanter. Donc, vous étiez là au four au moulin. Quel a été vraiment l'apport de l'église? Dieu soit loué. D'abord, la joie que l'église avait, parce que c'était un enfant qui naissait. Enfant de l'église. Cette vision-là, c'est un enfant qui naissait. Un enfant qui naissait. Un nouveau enfant qui naissait. Alors, c'était d'abord une grande joie. Pour toute la famille, la famille VM, on était dans la joie de recevoir cet enfant-là. Alors, la première des choses, c'est l'humilité de la servante de Dieu. De recevoir une vision et venir se confier à son pasteur et écouter. Et beaucoup de gens ne le font pas à nos jours. C'est une vision qui naît dans une vision et qui reste un enfant. Et on va le faire régulièrement et c'est parti, vous voyez. Mais il y a des gens qui reçoivent des visions comme ça et ça se transforme en église, en ministère, en autre chose. Elle dit, si j'ai reçu cette vision, papa doit savoir et il doit m'orienter. Et quand elle est venue, il fallait d'abord interpréter la vision. Vous pouvez recevoir une révélation. Il faut la comprendre, il faut l'interpréter, et qu'on puisse bien l'appliquer, en fait. Alors, quand elle est venue, il fallait d'abord comprendre la vision. Alors, j'ai parlé avec elle pour que nous comprenions la vision de Dieu, afin que les choses deviennent faciles et pour que nous réalisions la chose. Et en même temps,
moi, j'ai tiré beaucoup attention à tant que son pasteur. Je pèse beaucoup dans les décisions qu'elle peut prendre. Je peux influencer. Mais c'est un conseil que je donne aussi à d'autres serviteurs de Dieu. Donc, quand quelqu'un vient avec une vision comme ça, donc, il faut comprendre que Dieu peut passer par d'autres personnes. Dieu ne peut pas toujours passer par vous. Donc, nous devons avoir des réserves, c'est d'influencer cette vision, bien de désorienter cette vision, mais rester dans une position de bien la comprendre et bien la réaliser pour qu'elle ne se transforme pas à autre chose. Alors, ça, c'est le plus grand apport d'abord qu'il fallait apporter à cette vision-là. Et c'est ce que nous avons fait d'abord. Et en comprenant la vision, il faut la faire comprendre maintenant aux autres. Alors ça, c'était très important. Quand la vision est bien comprise, et c'est facile qu'elle soit acceptée. Maman Joël, votre apport, on vous a vu, passer des émissions avec la série Guette, par-ci, par-là. Et puis je vous ai vu l'autre jour là, pour même vous saluer, c'était difficile. Tu étais là, tu courais, tout ça. Moi, j'ai dit, ah, ça là, on va voir des choses ici. Franchement, c'était difficile même de te saluer. Voilà. Mais après, là, quand vous avez vu la réussite, donc, comme le Sédois dit, Niha Landat. Donc, vraiment, vous êtes descendu par terre. Mais votre apport dans cette vision, à côté de Maman Iguette, c'était quoi en fait? Gloire à Dieu. Je vais commencer juste à compléter là où notre papa met la fondation. Moi j'aime ça vous compléter. Ok, gloire à Dieu. En tout cas, l'apport que personnellement moi, j'ai apporté, c'était l'apport spirituel. Bien que l'église a prié aussi, mais on a eu de faire la prière, je pense, moi avec Maman Iguette ensemble. Bien que l'église a prié, j'ai mentionné que l'église aussi avait prié. Parce qu'au-delà de ses confiés auprès de papa, mais je suis parmi ses conseillères aussi. Quand elle veut faire quelque chose, elle me dit, maman, je vais prendre la décision dans ça, dans ça. Qu'est-ce que tu penses aussi de ton avis? Et puis j'ai dit, nous allons prier. On a eu à prier ensemble. Et après ça, j'ai dit, partout là où je peux apporter quelque chose, je le ferai. Donc, je ne saurais pas donner tous les détails, mais j'ai vraiment contribué. Spirituellement, moralement, physiquement, dans tous les domaines en tout cas. J'ai contribué, comme vous l'avez dit aussi, dans certaines émissions et puis dans certaines interventions. On a fait ce qu'on pouvait faire pour bien accueillir notre enfant qui était né dans la vision évangélique mondiale. Pour bien accueillir notre enfant qui vient de naître dans la vision. C'était tellement bien cette soirée-là. Je ne cesse de le dire, c'était une réussite. C'était une réussite. Ah, papa Gilles est en train de nous préparer. On va balancer quelque chose de Maman Iguette, une vidéo, tout ça. Maman Iguette, hein, avant qu'on puisse écouter cette vidéo-là, maintenant là, on était là, on a mangé, on a bu. Il y avait les instruments, il y avait tous les musiciens qui étaient là, tout ça. Vraiment, vous avez réuni presque 90% des musiciens. Ici en Suède, ils étaient là. Tout ça, pour prendre des émissions, les instruments, manger, tout ça. Au Kataï, ma papi, ma Ephésien, tu as donné là-bas, ou bien comment? Comment ça s'est fait? Donc, vous avez eu quelques soutiens, ou bien vous avez prié, le Seigneur vous a fait acquitter Simbongo, bam, malamon, pour faire ça quand même. On a vu, on a bien mangé, on a bien bu, il y avait les instruments, tout ça. Il y a certaines personnes qui parlent parfois c'est lui qui a soutenu, hein. Est-ce que ça en fait c'était comment? En tout cas, merci beaucoup papa. Je ne sais pas comment est-ce que je ne sais même pas là où je vais commencer, mais je vais essayer. Bon, bien sûr, oui, c'était vraiment... S'il y a eu des soutiens aussi de l'autre côté, ça ne manque pas de dire merci à tout ça, mais c'est pas grave aussi, hein. En tout cas, merci papa. Vous savez qu'on ne peut pas limiter Dieu. Amen. Dieu, on ne le limite pas. Quand il donne la vision, il y a la provision aussi. Et puis, Dieu lui-même, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît nos faiblesses, nos capacités, notre limite, là où on ne peut pas, lui, il connaît. S'il a fait que nous puissions faire cette vision, parce qu'il savait que non,
Donc, comment je peux dire? Donc, il savait que ça va marcher. Mm-hmm. Là, je voulais encourager quelqu'un. Mm. Je veux encourager quelqu'un, on va te répondre, mm. pour dire que si tu as une vision, s'il vous plaît, parle avec quelqu'un, bien, va chez ton pasteur, parle-lui. Mm. Mm. Comme mon papa vient de dire, les pasteurs, il faut accepter d'abord, accepter, écouter les visions de tes enfants, sinon mm-hmm. aussi c'est catastrophe. Mm. Mais à propos des finances, mm. donc j'ai eu des aides. Mm-hmm. Moi-même, j'avais aussi mon mari, en tout cas, que je salue beaucoup, que j'aime. Il est un héros à l'ombre. C'est ce que je peux dire. Mon mmh. mari, c'est un héros à l'ombre qui Amen. M'aide, qui me soutient vraiment mmh. de tout son cœur. Mmh. Je te salue. Yo älskar dig min älskling. Mmh. Jag vet att du förstår inte vad vi säger nu, men jag älskar dig så mycket. Mmh. Voilà. Donc, j'avais quelque chose que Dieu m'a vraiment béni. Mmh. Et j'ai eu vraiment du soutien à l'église. Mon église vient m'a soutenu. Mmh. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas dire des détails, mais voilà. Mon église m'a soutenue vraiment. Mm-hmm. Et puis, il y avait des gens qui m'ont soutenue. Je salue maman Chantal Binois, là où tu es, mm-hmm. avec votre soutien, toi et ton mari. Donc, il y a des gens qui ont soutenu. Mm-hmm. En dehors de ça, je crois qu'on a fait, on a demandé aussi des aides. Mm-hmm. Bon, des aides là, c'était, je crois que c'était les affiches qu'on a... Ouais. On ne peut pas dire vendre, on a vendu, non. Les donc, affiches pour seulement soutenir. C'était comme des soutiens, voilà, oui, voilà. Soutenir, et puis, en tout cas, les budgets étaient grands. Mm-hmm. C'était vraiment grand. Okay. Ce n'était pas facile parce qu'on avait même des musiciens qui venaient de l'Italie, de Finlande, payaient mm-hmm. leurs billets. Mm-hmm. Donc, c'était beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, comme notre Dieu, il est le roi des rois. Mm-hmm. Donc, il a tout. Donc, mm-hmm. il nous a aussi donné cette... comment on peut dire, il a tout fait que l'événement puisse bien se passer. Se passer en fait. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, maman Joëlle, avant qu'on... Gloire à Dieu, je pense qu'elle a presque tout dit déjà. Mmh, okay. L'église, nous avons soutenu, oui. Okay. Et puis, la famille, comme elle a dit, papa mmh. Carlson, mmh. et tous les euros dans l'ombre aussi, mmh. peut-être mmh. qu'ils ne veulent pas qu'on puisse citer mmh. leur nom ouais, devant la télévision. Voilà. Et Dieu vous bénisse pour l'aide, Dieu mmh. vous bénisse pour l'apport. Mmh. Et vous aussi, vous êtes aussi un soutien, que Dieu vous bénisse. Papa Absolument. Sani, vous avez mmh. quelque chose à ajouter par rapport à la question que je posais? Ou bien vous limitez seulement sur le plan spirituel. Avant tout, il faut savoir que Dieu est un père responsable. Ouais. Okay? Quand Dieu donne une vision, la provision est là toujours. Okay? Il y a beaucoup de gens qui ont commencé le ministère avec beaucoup de problèmes, de difficultés, mais ce n'est pas à cause de Dieu. Mm. Quand Dieu donne une vision, et dans la provision. Mmh. Et Dieu était d'abord le premier support de cette vision-là. Mmh. Convaincre le cœur de Jean, toucher le cœur de Jean pour donner, disposer. Il y a des gens qui ont soutenu vraiment. Mmh. Alors, à cause de Dieu qui convainc le cœur, parce que c'était sa vision. Mmh. Voilà. Donc, Dieu était d'abord le premier fondement de finances. Merci Dieu, te premièrement le fondement de ces finances, a dit l'évangéliste Stani Mwanza, Wanzambi de la joie. L'autre Mwanza, est-ce que vous pouvez nous balancer une vidéo de l'autre côté, Ndoya Mwanza? Your name is powerful. Name first in this world. Your name is excellent. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Daddy. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your name is powerful than any force in this world.
Amazed me, lighten in darkness, my God, that is who you are. Amen, amen. Franchement, je rêve encore de revoir encore cette manifestation, c'était merveilleux. Mais maintenant, une question, maman Iguette. Oui, ça, c'est la première et la dernière, ou bien ça doit être continuel, parce que il y a des visions comme ça, il y a des cérémonies comme ça, ça commence comme ça, ça ne vient pas. Est-ce que ça, c'est la première, ou bien c'est la dernière, ou bien vous allez encore prier, que le Seigneur vous convainc encore de faire, parce que vous avez déjà prié. La vision de votre pasteur a appuyé. L'église, ils ont appuyé. Ils ont fait tout. Maintenant, on attend quoi encore? Merci, Papa Divinic. Mm. Comme on avait dit avant, donc si la vision sort dehors, c'est pour tout le monde. Mm-hmm. Mais pour ce, je voulais dire que ce qu'on avait fait, c'était le premier, comment on dit, première audition. Voilà. Donc, ça veut dire que ça va la venir. La deuxième, ça va venir. Ça va venir. Mais j'aimerais que mon papa puisse parler de ça. Mais papa va parler ça. Vous répondez à cette question. Ouais. Et puis la sous-question, des genres de manifestations, qu'est-ce que ça peut apporter dans une ville, dans un pays? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça, on vient seulement là, manger, boire, et puis on part, on attend encore l'autre jour, là, on vient encore manger. Qu'est-ce que ça apporte? Dieu soit loué. Quand Dieu donne des visions comme ça, c'est une façon de visiter son peuple, de visiter une ville, de visiter un pays, et même d'amener ce pays à la délivrance et à des grandes choses. Des événements comme ça arrivent, vous ne pouvez pas imaginer à cause de ce qui est arrivé, combien de démons ont quitté la ville. Comment Dieu a mené la délivrance. Ce sont des événements comme ça qui annoncent un réveil dans une ville, qui annoncent un grand réveil, réveil. C'est dans cette vision, d'abord, la révélation, c'est le thème, c'est l'amour et l'unité. Ce que nous cherchons, c'est l'amour et l'unité des enfants de Dieu. Amen. Au point où nous sommes arrivés au temps de la fin, le combat qui est forgé à l'Église, le combat qui est orienté à l'Église dans le monde des ténèbres, est très fort, en fait. C'est un grand combat. Alors, c'est le temps que les enfants de Dieu reviennent ensemble, fassent des choses ensemble. Le Seigneur nous promet, quand nous avons l'unité, nous pouvons accomplir de grandes choses. Amen. Et tu vois un peu dans cet événement combien de serviteurs de Dieu chantent de l'Éternel ont été réunis ensemble. Et je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui ont répondu présent. Amen. Nous sommes allés dans presque toutes les églises pour inviter le serviteur de Dieu. On a vu vraiment la présence de tous les hommes. Même dans des églises, c'est doigts, ils sont venus. Donc ça, ce sont des événements qui annoncent de réveil. Ce sont des événements qui libèrent une ville, qui amènent la délivrance dans une ville. Nous, en cachette, on prie pour la préparation, que les gens qui viennent là, ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Mais peut-être que pendant l'événement, on n'a pas prié pour le malade. Mais le travail qui est fait en secret pour organiser, donc, donne ces résultats-là. Les gens viennent, il y a des témoignages, jusqu'à présent. Les gens qui sont venus, qui étaient guéris comme ça, les gens qui ont des solutions à leurs problèmes, justement parce que vous avez organisé un tel événement. Alors, c'est donc dans cet événement qui était le premier, la vision et le thème sera toujours l'amour. Et l'unité de l'Église. Au temps de la fin que nous sommes, revenons ensemble, travaillons ensemble, faisons des choses ensemble et nous pouvons faire une pêche miraculeuse. Amen. Et nous pouvons conclure de grandes choses. C'est pourquoi
l'enfant de Jeanne, il va pas mourir. Il va avoir deux ans, voilà, voilà. Il va avoir trois ans, il va grandir et jusqu'à ce que Christ revienne. Et ça va monter en puissance. Donc ça, c'était le thème et ça reste le thème. Mais la mission aussi était d'honorer les serviteurs de Dieu pour cet premier événement. Amen. Honorer les serviteurs de Dieu. Par exemple, dans ce qui va venir l'année prochaine, on va penser aux orphelins, on va penser aux veuves. Donc, on va honorer les orphelins, on va honorer le veuve. Voilà un peu. Donc, c'est une grande vision qui est déjà en marche. Quoi. Maman, je vais vous compléter. Oui, je pourrais ajouter. Et comme le pasteur l'a dit, en tout cas, il y a un travail qui a été fait dans le secret. Nous avons eu, après beaucoup de moments de prière, pour que ces jours-là, tout le monde qui viendra puisse rencontrer la gloire de Dieu. Et quand le Seigneur nous donne les opportunités de nous réunir de cette manière-là, pendant que nous louons, nous adorons, la gloire de Dieu descend et la main de Dieu touche et visite les vies. Moi, personnellement, j'ai des témoignages de mes invités qui étaient des musulmans, qui étaient dans la salle, qui ont vu la gloire de Dieu. Là, c'était un témoignage pendant même que les chants de l'Éternel étaient en train de chanter. Et ma collègue de travail m'a appelée pour me dire, je suis musulman, mais ce que j'ai senti dans cette salle, c'était pour ma première fois. Amen. Donc, Dieu était vraiment au rendez-vous ce jour-là. On pouvait le voir, le sentir, et puis le témoigner. Et au-delà de ça, en tout cas, il y a toujours des témoignages qui continuent à venir à propos de ce que le Seigneur a fait. Donc, nous avons gagné des âmes. Nous avons gagné des âmes aussi, bien sûr. Donc, en tout cas, Jésus-Christ était au rendez-vous ce jour-là. Les mauvais esprits ont quitté la ville. Amen. Les mauvais esprits ont quitté la vie de Jean. Amen. Et Jésus a été glorifié, nous le rendons gloire. Jésus a été glorifié, nous rendons gloire à Dieu. Nous approchons petit à petit à la fin de notre mission. Mais maintenant, il y a une sœur, Maman Rebecca, elle a écrit ici, ça serait mieux aussi de mettre une cagnotte pour la deuxième émission, si les gens peuvent soutenir. Est-ce que vous voulez que les gens du dehors puissent venir aussi soutenir avec une offrande, avec un soutien financier, pour que ça puisse monter encore, la deuxième édition, que ça puisse être parfois dans une grande salle, que ça soit encore quelque chose de grandiose, ou bien vous ne voulez pas, vous avez toujours vous ne voulez pas que certaines personnes viennent vous soutenir. Là, vous répondez tout ça. En tout cas, je vais répondre un peu et puis papa va aussi répondre. Bon, je crois que, comme on avait dit, la vision est déjà là, dont l'enfant est déjà né, dont l'enfant va grandir, n'est-ce pas? Donc, la deuxième fois, nous voulons vraiment que, en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Sauf qu'il faut accepter cette vision, le prendre. Il faut l'accepter comme nous, on a accepté pour marcher avec. Donc, on aura besoin de tout le monde. Tout le monde. Je crois qu'au moment opportun, nous serons ici encore pour annoncer, pour dire comment est-ce qu'on va planifier pour la deuxième. S'il y a des gens qui veulent aussi contribuer, qui veulent aussi mettre la main de la pâte pour la gloire de Dieu. En tout cas, Dieu ne va pas se fâcher. Je crois que ça sera merveilleux. Maman Sally, comment faire pour que certaines personnes viennent soutenir cette vision? Est-ce que cette vision, ça sera seulement soutenu dans les quatre coins de l'église Verne, ou bien si quelqu'un est pris dans une église là-bas, la manne cachée, il est pris armée de l'Éternel, il veut soutenir cette grande vision ici en Suède. Comment faire? Dieu soit loué. D'abord, la vision n'est pas limitée et on limite personne, parce que Dieu ne veut pas que les gens soient limités. Nous parlons de l'unité et de l'amour. Et on ne peut pas prêcher ce thème sans poser deux actes prophétiques qui suivent ce thème-là, qui accompagnent le thème. C'est-à-dire que cette vision vient pour tout le monde. Et maman Iguette a reçu la vision de la part du Seigneur, ok? Mais ce n'est plus sa vision, c'est la vision de tout le monde qu'il accepte dans son cœur aussi. Voilà. Et tout celui qui accepte cette vision devient le porteur de cette vision, devient le visionnaire de cette vision. Okay. Donc, tout le monde est bienvenu et c'est une vision qui va atteindre tout le monde. Nous avons besoin de toute grâce, tout don, toute capacité, tout ministère,
toute grâce que Dieu a donnée. C'est, dans cette vision, nous voulons montrer toute la beauté, les facettes des beautés de Dieu en tout. Les dons, c'est Dieu qui les a créés. Donc, comment on peut mettre ces dons ensemble? Et là, qu'est-ce que ça peut donner? Et c'est extraordinaire. Donc, tout le monde est bienvenu. Et c'est la vision de Dieu. Et tout celui qui se sent enfant de Dieu. Il peut vous contacter, venir pour soutenir cette œuvre. Oui, il y aura, on va donner des informations, parce qu'on est en train de se préparer pour une très bonne organisation, parce que nous voulons que la prochaine fois, ça va être 1000 fois plus que ce que nous avons fait. Wow. Ça doit être 1000 fois ce que nous avons fait. Maman Joël, vous écoutez la vision, la sœur, elle est venue avec la vision. Elle a partagé ça avec l'homme de Dieu. Et puis, vous avez mis ça en place, tout ça. Et puis, vous avez appuyé cette vision. En dehors de ça, je fais une petite parenthèse. Maintenant, quel est le rôle d'une femme, comme vous êtes là, la femme de l'homme de Dieu? Je vais informer aux hommes, je vais informer aux téléspectateurs que non, Maman Joël, c'est la femme de l'évangéliste. Et parce que vous pouvez voir que nos bafandi et tout ça comme des jumeaux, c'est sa femme. Donc, quel est vraiment votre rôle? Être la femme d'un homme de Dieu. Est-ce que c'est facile, c'est difficile d'être la femme d'un homme de Dieu, de supporter cette vision comme ça, d'appuyer la vision de l'homme de Dieu, d'appuyer la vision de vin? Moi, je vous ai vu comment soutenir cette vision. Moi, je suis un témoin oculaire. Je vous ai vu comment soutenir la vision. Je vous ai vu comment stabiliser l'église pendant qu'il y a eu des tempêtes. Quel est votre rôle à côté de l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour la question. Ah. Je ne pourrais pas parler de mes rôles avant que je ne puisse d'abord définir pourquoi Dieu a créé l'homme. Pourquoi Dieu a mis l'homme et la femme à côté de l'homme? Parce que je ne peux pas directement dire qu'est-ce que je peux faire sans que je puisse connaître quel est le but de mon existence. Là, c'est important. En même temps, je vais lancer les messages à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre, de comprendre quels sont les buts de leur création. Et ça leur permettrait de mettre leur rôle en pratique. Je vais revenir à votre question, mais j'aimerais d'abord signifier... c'est écrit dans le livre de Genèse 2, le verset 18. La Bible dit « Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a fallu que le Seigneur puisse lui créer une aide semblable. » Donc, ça veut dire que depuis la création, Dieu a vu que la femme était importante pour être un soutien de l'homme. Je parle dans le cas général et puis je vais marteler à vos questions. Alors, être une aide semblable, ça veut dire qu'il y a des capacités d'aider dans la vie de cette personne qui est la femme. Et être une aide, ça veut dire que c'est une identité que Dieu a donnée dans la femme depuis la création. Et moi, j'aime dire que la femme, c'est une porteuse de vie. Parce que quand la femme porte une vie, elle prend soin de cette vie-là, elle entretient cette vie jusqu'à la destination. Bien qu'elle est aussi la porteuse de bonnes nouvelles de la parole de Dieu. Mais sur le plan social, la femme, elle est une éducatrice de masse. Donc, dans toutes les facettes, la femme est très importante. Pas seulement son rôle dans l'église. Maintenant, je retourne à votre question. Par rapport à tout le temps, par la grâce du Seigneur, que j'ai eu à passer à côté de l'homme de Dieu, mon pasteur et mon mari, j'aimerais dire... quand on ne comprend pas la vision, on ne peut pas la soutenir. Le premier rôle dans tout ça, c'est d'abord comprendre. La vision qu'il y a. La vision, bien sûr. Parce qu'il est porteur de la vision. Je suis venu dans sa vie, je devais d'abord comprendre quelle est la vision que le Seigneur lui a donnée. La Bible dit dans le livre des Amos 3, chapitre 3, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Donc là, il fallait d'abord comprendre quelle est la vision que Dieu a déposée dans son serviteur. Quand j'ai accepté cette vision, c'est alors que j'ai commencé à soutenir la vision. Parce que quand on n'accepte pas, on ne peut pas soutenir. Et quand j'ai commencé à soutenir la vision, maintenant savoir aussi comment soutenir ça aussi, c'est une autre chose. Ouais, parce qu'on voit aussi beaucoup de servants de Dieu à côté des serviteurs de Dieu, mais qui ne soutiennent pas.
Alors, parce que j'avais compris cette vision que Dieu avait donnée à son serviteur, je commençais à soutenir par de jeûne, par de prière, aussi avec un esprit de sacrifice. Ça, c'est ce qui manque à beaucoup de servants de Dieu. L'esprit de sacrifice et je peux dire, aller au-delà de ses limites. Je vais m'expliquer hein, pourquoi je dis ça. Supposons, par exemple, nous sommes en famille en train de regarder peut-être un bon film, papa, maman et les enfants. Du coup, comme ça, quelqu'un qui appelle le pasteur parce qu'il y a une urgence. Donc, le pasteur doit intervenir pour prier pour la vie de cette personne-là. Donc, il s'agit de sauver une vie. Quand on n'a pas avalé la vision, quand on ne comprend pas la vision, on n'a pas soutenu la vision, ce serait un problème. Pourquoi le pasteur doit sortir en ces moments? Il est papa à la maison, il doit partir pour prier pour quelqu'un. Mais quand on accepte la vision, on la soutient. On a la compassion de cette âme qui souffre là-bas. On a la compassion de cette âme qui pleure. On comprend, on dit, ok, les sacrifices, au-delà de nos limites, papa peut partir et nous continuons. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis en train d'expliquer le sacrifice. Hein? Ce n'est pas facile, mais par la grâce du Seigneur, quand on comprend qu'on est appelé à soutenir la vision, c'est important. Et en même temps, la prière, l'encadrement, la formation que j'ai reçue de lui-même, ce qui a fait de moi ce que je suis, là, je serai toujours reconnaissant toute la vie. Donc, si aujourd'hui même vous me voyez là parler, prêcher, prier, c'est parce que la personne que Dieu a mis à mes côtés, qui est mon pasteur et mon mari, a aussi contribué. Donc, c'est votre formateur. Oui, oui, c'est mon mentor. Ton mentor. Oui, oui, tout à fait. Maman Joël, on doit organiser une mission avec vous. Vraiment, on doit bien préparer ça. Vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler et à porter en plus par rapport à Bassia Bassalanzambe, des femmes de Dieu, tout ça. Nous aurons une mission bien élaborée. C'est pour cela que j'avais voulu, pour une introduction introductive aujourd'hui, que vous puissiez brosser quelque chose par là, à côté de ton mari. C'est pour cela que j'avais voulu que vous soyez vous abîmez Mbalewana. Ça serait quelque chose de bien. Donc, on doit élaborer une émission, on va faire avec vous. On doit parler le rôle d'une femme. Parce que je ne peux pas vous poser encore une question. La première question, est-ce que c'est difficile d'être une femme d'un homme de Dieu, ou bien c'est facile d'être une femme d'un homme de Dieu, parce qu'il y a certaines personnes, ils trouvent on est une gloire d'être là, moi je suis la femme de pasteur, la femme d'évangéliste, la femme de prophète, tout ça. Est-ce que c'est difficile ou bien c'est facile? Cette question-là, garde ça, ne réponds pas. Donc, une autre mission bien élaborée, on va développer ça en long et à large. Nous sommes à la fin de notre mission. Maman Huguette, oui, papa. Vous pouvez saluer tous les bien-aimés qui étaient ce jour-là, ceux qui ont participé à Méga, ou nous sommes avec les musiciens, les frères, pour les remercier pour leur assistance. Et puis nous allons donner la parole à l'évangéliste Stani, et puis nous allons clôturer avec Maman Joël, parce que j'aime clôturer avec elle. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais dire merci à tout le monde. Je vais commencer d'abord à ceux-là qui ont organisé, qui ont fait des choses dans la salle. Je vais dire merci à maman Augustine. C'est celle qui a pris vraiment la décoration en main. Que Dieu vous bénisse, maman, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et je dis merci à Christo. Donc, c'est un héros à l'ombre aussi. Il a beaucoup fait. Il a fait des choses. En tout cas, que Dieu te bénisse, mon fils, là où tu es. Et je dis merci à l'église La Colonne, qui est dirigée par papa évangéliste José Mayoukou et maman Njouzi. Merci vraiment à toutes les églises qui ont ouvert leurs portes, parce qu'on est passé dans beaucoup d'églises. Voilà. Alors, vraiment, je dis merci à l'église. Patmos, merci à l'église. JCC, merci. Il n'y a pas moyen que je cite les noms. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Vous étiez là et vous êtes venus. En tout cas, vous avez montré l'amour. Et j'aimerais encore dire merci à maman Chantal Binois et papa Célèbre, vraiment pour votre soutien, maman Chantal, que Dieu vous bénisse. Papa, vous savez que la journée-là, on n'avait pas fait tout, on n'a pas vraiment fait tous les programmes comme c'était prévu à cause du temps. Donc, il y avait vraiment beaucoup de surprises qu'on avait
préparé, mais je crois qu'on va le faire la prochaine fois. Oui. En tout cas, donc, et Maman Chantal avait aussi beaucoup contribué pour beaucoup de surprises qu'on avait planifiées. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je dirais merci à mon église VM. Oh, merci. Vous tous là où vous êtes. En tout cas, je vous aime beaucoup, mon église, et ma maison, ma famille. Merci vraiment, Maman Coco, tout le monde. Je ne peux pas compter. Si, si, je commence à citer les noms. On va dormir ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Église VM. Et vraiment, je dis encore merci à Papa Gilles, les caméramènes. Merci beaucoup. Et merci à Frère Béli, tous les musiciens, Maman, je ne sais pas, c'est donc, difficile de compter tous les musiciens. Vous pouvez manquer de Finlande, il y a le frère Joël, il y a le frère Eli de l'Italie. En tout cas, ils laissaient leurs enfants, leur famille pour venir répéter avec nous. C'est seulement pour Dieu. Frère Eli me disait, Maman, je viens seulement pour travailler, je viens travailler l'œuvre de notre papa. Amen. En tout cas, donc, merci, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Espérons qu'à la prochaine fois, nous allons encore bosser, travailler encore pour la gloire de notre Dieu. Et je dis encore un grand merci à ma famille, à mon mari et mes enfants. Vous savez, papa, ce n'est pas aussi facile. Tu travailles et tu es une mère de, la famille et tu as l'église. Et tu as donc, un mari qui te laisse le temps d'aller faire pour ton Dieu, d'aller travailler pour ton Dieu. En tout cas, ce n'est pas du tout facile. Mais Dieu te bénisse, mon mari. Gud velsigne dig där du är min man. En tout cas, donc, je dis merci, longue vie à toi, mon mari. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais vraiment, merci à tout le monde pour vos prières, vos soutiens. En tout cas, que mon Dieu, notre Seigneur, vous bénisse abondamment. Merci. Il y avait un groupe qui avait presté là-bas. Quand ils ont fini de prester, je les ai donné le nom de Majabu Vesteros. Ils ont bien chanté. Frère John Bakanzi, Maman Abigail Sernadine et tout ça. Vraiment, ils ont bien presté. Jusqu'à aujourd'hui, on a bien avancé à Majabu Vesteros. En tout cas, les anges du ciel, que Dieu vous bénisse. En tout cas, beaucoup de gens, tout le monde. Tous les musiciens, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Menga, oui, c'est là, que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà là. Papa Tignama, que Dieu vous bénisse aussi, vraiment. Wow. Merci. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Avant de finir avec Maman Joël, Évangéliste Stani, un mot, parce qu'il y a un événement qui se prépare au mois d'août. Je ne sais pas si vous avez encore changé les dates. Parce qu'on aura aussi une mission pour parler de ça en long et en large. L'évangélisation. Parce que vous avez eu l'habitude, l'église VM, vous avez eu l'habitude de faire l'évangélisation en plein air. Je connais, ça date de longtemps, vous avez fait des évangélisations en plein air. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare bientôt là, ou bien tous et là sous un temps, ou bien la date, vous avez encore reporté la date? Quelque chose qui se prépare, l'évangélisation en plein air, l'église VM en plein air à Stockholm. Dieu soit loué. L'évangélisation, c'est le but pour lequel VM existe. Alors, faire l'évangélisation, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu maintenant, gagner les âmes. Jésus, Dieu veut récupérer tous ses enfants qui se trouvent en dehors de l'enclos. Alors, l'évangélisation, c'est la dernière prophétie biblique au temps de la fin. La Bible dit donc cette parole de Dieu, lorsqu'elle va parcourir le monde entier, c'est alors après que viendra la fin. Alors, la seule prophétie qui nous reste, la plus importante, parce que tout le signe du temps de la fin, nous avons vu. Tout. Il n'y a plus rien qui reste. Mais l'évangélisation est le signe le plus important aussi. Alors, nous avons l'évangélisation chaque année, au mois d'août, entre août et septembre. Et septembre, nous faisons l'évangélisation en plein air.
Alors, c'est une façon de lui, donc de dédier aussi la ville à Dieu, une façon d'inviter les gens au Seigneur et tout. Alors, pour cette année, nous avons eu une petite difficulté qui va être résolue bientôt, c'est la permission de la police. Ouais. Normalement, on devrait déjà voir ça. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, il y a des démarches qui s'accélèrent pour ça. C'est juste ça qui nous reste. Alors, on peut pas... On a changé la date à cause de ça. On reviendra ici pour parler de ça. Et cette fois-ci, notre but était d'inviter, associer beaucoup d'autres églises. Tout enfant de Dieu, les inviter, les associer, pour qu'on soit ensemble en train d'évangéliser. Je veux que ce jour-là... La télévision Sanctuaire TV aussi soit invitée. Amen. Nous voulons vraiment que ça sera en live pour Amen. Montrer aux gens que nous puissions aussi faire l'évangélisation en plein air ici en Europe. Ce n'est pas toujours au Congo ou bien en Afrique qu'on fait l'évangélisation en plein air. J'aimerais, je souhaite que ça, la télévision Sanctuaire TV puisse être présente. Amen. Mais nous avons besoin de vous parce que nous avons Maman Joël qui est vice-responsable du département d'évangélisation, travaille ensemble avec l'évangéliste Léonce, que je salue, qui vient d'une mission en Côte d'Ivoire. On prépare à bâtir l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Ça vient bientôt par la grâce de Dieu. Bienvenue, mon fils, Dieu vous bénisse abondamment. Alors, maman, je travaille avec Papa Léonce, conduit le département d'évangélisation. Dans leur projet, on ne va pas avoir seulement l'évangélisation en tête centrale cette fois-ci. C'est prévu que nous puissions avoir l'évangélisation en plein air, à Rosved, à Halby, sous des Téliers. Donc, en plein air. Donc, on va revenir avec des détails. Beaucoup de détails. Ah, oui. Maman Joël, salue tout le monde. Salue les bien-aimés qui ont participé. Salue tous les enfants de l'église VM. Et puis, vous donnez l'adresse de l'église. Là où on peut vous trouver. Parce que à partir de cette vision-là, il y aura beaucoup de gens aussi qui ont aussi leur vision. Vision dans ma poche. Ils cherchent quel pasteur pour partager. Donc, il peut venir à VM, partager cette vision, pousser la vision et s'épanouir. Donc, vous donnez, vous saluez nos bien-aimés, saluez les enfants de l'église et puis vous donnez l'adresse de l'église si quelqu'un veut venir à l'église VM. On va vous trouver où? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés, en tout cas, qui ont eu à nous suivre via Sanctuaire TV de Prêt-Comme de Loire. Nous vous aimons énormément de tout cœur. Vous êtes tellement nombreux et connectés. Ici en Suède et partout dans le monde, que le Dieu que nous servons puisse vous bénir. Et je salue ma maison, que j'aime beaucoup, la vision évangélique mondiale. En tout cas, je suis fière d'appartenir dans cette famille. Trop ferme. Trop ferme. Même si c'était à refaire, je dirais à Dieu, moi je vais seulement là-bas. Parce que chez nous, on se sent en famille, dans la maison. Alors, je bénis toute la grande famille VM, ici en Suède, au Congo. Je vous salue, la vision évangélique mondiale du Congo, ceux qui sont en Afrique du Sud, nous vous saluons aussi. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse aussi tous les bien-aimés qui ont contribué de près tout comme de loin pour la réussite de notre soirée galante. Et raison pour laquelle aussi nous sommes dans cette émission, c'est pour vous remercier. Ah, c'était même le but de cette émission, même si papa vous avez oublié de mentionner, mais la venue de toute l'équipe ici, c'était pour dire merci, tout un chacun qui a contribué pour la réussite de ces galants. Que le Dieu que nous servons, le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. Pour tous les bien-aimés qui veulent venir à l'église, nous sommes à Stockholm. Nous sommes à Vestertop. Désolé que l'adresse, j'ai oublié. Vestertop, vous descendez seulement sur le tunnel vers le Vestertop. Oui, oui, j'ai oublié le nom de l'avenue, je m'excuse. Mais vous pouvez toujours nous trouver sur Facebook. VM Rema. Voilà. Là, il y a tous les détails, le numéro de téléphone, tout ce que vous voulez. Je m'excuse d'oublier l'adresse. Non, il peut vous trouver dans le Facebook. C'est mieux. Oh, que Dieu nous bénisse. Je vous aime beaucoup, tout le monde. Je vous aime. Vous avez un mot à dire? Oui, Dieu soit loué. Nous donnons gloire à Dieu. Dans cet événement que nous avons fait, notre but était
de honorer les serviteurs de Dieu, les encourager pour le travail qu'ils font. Et c'était notre but. Et nous avons l'honneur d'honorer aussi Pasteur Chinyam. Yeah. Ah. Donc, homme de Dieu, pour tout le travail que vous faites dans le corps de Christ, en tout cas, nous prions que Dieu vous bénisse et nous vous remercions pour ça. Merci, c'est un cadeau. Franchement, que le Seigneur vous bénisse. C'est écrit en anglais. Donc, je vais dire à ma femme que Avonté, peut-être l'un à celle qui. C'est écrit. We say thank you for all the works, all service, your service for the body of Christ. Nous disons merci pour le service de Dieu que tu fais dans le corps de Christ. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, évangéliste Stanley, couple évangéliste, Maman Joël, évangéliste Stanley, et puis Maman Huguette. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents. Donc après un certain temps, nous voulons vous voir passer, donner vos messages. Donc comme je viens de dire, j'aurai une émission spéciale avec Maman Joël. J'aimerais ce jour-là, Maman Joël soit accompagnée avec son mari. Elle va parler des choses qui concernent le maman pasteur. Elle va parler des choses qui concernent les maman pasteurs. J'aimerais qu'Azala y ait mon côté. Azalana évangéliste Stani, pour ça la bien, pour maman Anouloba, papa Stani en dimanche, que nous a vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons notre réalisateur qui était en haut, Maman Jolie Yenga Mwanza. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus, sans oublier ma chère épouse Rebecca Chinyama, que tu sois bénie. Et puis, Topambo Nsusu Nzambe pour notre réalisateur qui est aujourd'hui l'endoï de notre invité. Jules Mwanza Mandé. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui mérite la louange soit l'objet de nos pensées. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine fois. Ciao. Bye yo. Bye bye. Connectez-vous en regardant Sanctuaire TV. Sanctuaire TV.